Parfois, on réalise la valeur des choses après les avoir perdues. Et depuis un an, j'ai perdu l'envie de peindre. Quelque chose que j'avais pris pour acquis. Par le passé, j'ai déjà été confrontée à un blocage artistique. Et parce que c'était mon premier, c'était très difficile d'en sortir. Je n'avais plus d'inspiration et d'envie. Cette fois, c'est différent. Pendant toute l'année, j'avais trop d'idées, trop d'inspiration, mais aucune envie. Mais cette année a été tellement intense que je n'ai pas encore eu le temps de me confronter à ce blocage artistique. En tant que multipotentielle, j'ai eu le privilège de ne pas être directement confrontée à mon blocage, grâce à mes deux autres casquettes. Cette année, j'ai donc choisi d'être Bouchra, la caméraman. Mais plus les mois passaient, plus je me sentais bizarre, quelque chose manquait. La peinture est avec moi depuis des années maintenant, et du jour au lendemain, mon envie a disparu. Dans cette vidéo, parlons du blocage artistique et comment peut-être le surmonter. Quand la routine devenait monotone, je peignais pour donner plus de joie au quotidien. Quand mon humeur n'allait pas trop, je me détendais en peignant. Quand les pensées devenaient trop lourdes, je les libérais sur la toile. Quand la joie débordait, je la figeais sur la toile. Quand je contemplais mes toiles achevées, la peinture devenait mon éclat de fierté. Pendant ces dernières années, la peinture a été, pour ainsi dire, un ami constant. Un confident silencieux qui a partagé mes joies et mes défis. Des heures et des heures à peindre, chaque toile était une page de mon histoire. Une histoire tissée avec des couleurs vibrantes et des émotions sincères. Et puis un beau jour, cette amitié, tout comme une aquarelle douce estompant, a pris une teinte de nostalgie, laissant place à de nouveaux horizons artistiques à explorer. Et voilà qu'aujourd'hui, je n'avais plus envie de passer du temps avec cette amie. Les pinceaux, autrefois complices de ma créativité, semblaient lourds. La peinture, confidente fidèle, portait une étrangeté nouvelle. J'ai mis de côté les pinceaux, laissant la toile reposer en attendant un nouveau chapitre. Waouh, c'est super dur. Parfois, les amitiés artistiques ont besoin de pause, espérant qu'un jour, la passion reviendrait, dans une harmonie infinie de couleurs. Je veux que le ciel il soit pastel, peu importe les couleurs, que ce soit pastel. Mais je pense que je vais commencer avec du violet pastel, mélangé à du bleu, et ça va descendre, et ça va devenir de plus en plus rose. Et c'est tout. Franchement, j'ai un peu peur, ça fait très longtemps que j'ai pas peint une toile toute blanche, comme ça c'est la première de l'année. Et dernière du coup, mais on verra ce qu'on peut faire. C'était un blocage un peu étrange, les idées fusaient mais passer à l'action c'était une autre histoire. D'habitude, quand je bloque, c'est parce que les idées font défaut, mais là c'était l'inverse. Pourquoi? J'ai poussé la peinture un peu trop loin, je pense que ça a commencé fin été, début automne 2022. J'avais tout plein d'idées et je peignais tout le temps, ce qui est bien. Mais mes intentions n'étaient pas les bonnes, je peignais plus pour poster quelque chose sur Instagram que pour moi-même. Et vous savez, on peut pas se tromper soi-même. C'est à ce moment-là que la peinture m'a un peu déconcertée, malgré toutes mes idées. Et après ça, j'ai dû réaliser une énorme commande personnalisée. Et peindre est devenu si inconfortable que j'ai compris qu'il était temps de faire une pause. J'ai terminé le ciel. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'était simple et j'ai besoin de simplicité là tout de suite et c'était c'est joli, c'est pastel, c'est ce que je voulais. Mais après je sais pas si c'est pas trop simple. Mais de toute façon
le personnage principal de la toile, c'est elle. Donc si elle, elle rend bien, ça sera juste un plus. Mais je vais laisser comme ça. Et au pire, si ça me convient pas quand j'aurai terminé la mosquée, bah je pourrais toujours refaire le ciel. Mais là, comme ça, c'est très bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et dans quelques jours, je peindrai la mosquée. Mais vraiment super beau. Je vous montre. Et malgré le fait que je suis malade, franchement, ça va. Vraiment, c'est des tons que j'aime beaucoup en fait. J'ai vraiment mis de tout. J'ai pas envie de rajouter des nuages, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Juste un arrière-plan pastel dans les tons roses. Et voilà. Vous savez, je sais pas ce que j'ai avec cette mosquée, mais je l'ai peint énormément cette année. J'ai jamais montré cette peinture à personne, j'ai juste peint. Avec de l'aquarelle, elle brille au max. Attendez. Elle brille, mais vraiment, vraiment beaucoup. Tout brille, sauf la mosquée. C'était trop bien quand je l'ai peint celle-là. C'était agréable à peindre. Tout brille, tout brille. Elle est super belle. C'est la troisième fois. Ça, c'est la deuxième. Non, ça, c'est la première. La deuxième, elle est là. Ah, elle est là. Ça, par contre, je l'avais posté sur Insta. J'ai fait mieux, mais l'objectif c'était pas de faire un chef-d'œuvre. Du coup, ça fait une, deux, trois, si je la réussis, déjà. C'est clairement mon année d'aquarelle en fait. J'ai fait que ça. Mais en fait, je partageais rien parce qu'il fallait vraiment que je peigne que pour moi. Ça, par contre, je l'ai partagé. Mais comment faire une pause quand tu es en plein blocage? Comment retrouver l'envie de peindre à la fin de cette pause? J'ai cherché quelques idées sur internet et celle qui revenait souvent était premièrement de sortir et de regarder le monde qui nous entoure. Un bon conseil, mais ce conseil était adressé à ceux qui manquent d'inspiration. Alors que moi, ce n'était pas l'inspiration qui me manquait, mais l'envie. La seule chose qui me donnait un peu plus envie de peindre, c'était de regarder d'autres personnes peindre. Le deuxième conseil qui revenait souvent était de changer de médium. D'expérimenter quelque chose de différent de nos habitudes artistiques. C'est le meilleur conseil que j'ai pu trouver, celui qui correspondait parfaitement à ma situation. Je peignais à l'acrylique et à l'huile, et juste l'idée de mélanger les couleurs me fatiguait. C'est là que j'ai découvert l'aquarelle. L'aquarelle a été la clé qui a continué à animer ma main. J'avais une palette dans mon tiroir que j'avais utilisée seulement une fois, mais comme j'avais rien compris, je l'ai pu toucher. C'est alors que j'ai appris à manier l'aquarelle. C'était un peu étrange au début, mais ça devient très vite très facile à manier. En plus de ça, c'est incroyablement rapide à utiliser. Le mélange des couleurs n'a jamais été aussi rapide. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin, quelque chose qui ne demande pas trop de réflexion. J'ai testé bien d'autres choses, mais c'est principalement l'aquarelle qui m'a aidée. Donc j'ai avancé là, j'en suis à là, mais là c'est le moment où l'aventure elle est juste moche en fait. Il y a toujours une phase, une étape où la peinture elle est moche, mais il faut continuer parce que petit à petit ça va commencer à avoir du sens. Et pour l'instant, en fait t'as juste envie de partir parce que c'est tellement moche, mais c'est normal, il y a toujours, enfin souvent, pas toujours, mais une étape où c'est pas beau. Chaque animal, son
J'ai bien avancé, franchement, je suis étonnée. Je pensais pas que j'allais en faire autant aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas peint aussi longtemps, autant d'heures. Il est minuit 48. Franchement. Là, ça y est, c'est beau. J'ai juste à finir ça. J'ai passé l'étape où c'est moche et là, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment terminer la toile parce qu'il reste pas beaucoup. Comme ça, elle pourra sécher et je pourrai ensuite prendre les photos. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça en premier parce que ça va être compliqué parce que tout ça, c'est pas du tout sec. Et je sais pas comment je vais faire. Mais l'envie de peindre sur toile avec l'acrylique ou l'huile n'était toujours pas revenue alors qu'on était déjà à la moitié de l'année. Un jour, frustrée que cette envie ne revienne pas, j'ai commis l'erreur de faire ce qu'il ne fallait surtout pas faire, forcer. Il y avait une peinture à l'huile que j'avais terminée à moitié et je me suis dit que forcer un peu ne serait pas trop grave. J'ai fini par la peindre et j'ai aimé le résultat. Hein. Mais le lendemain, lorsque j'ai terminé la toile, je me suis réveillée avec un torticolis. Chaque fois que je me force à faire quelque chose, d'une manière ou d'une autre, je finis blessée. J'ai fait la palette de couleurs pour ce qui reste en bas et après c'est terminé. Après ça, j'avais un peu saboté mes efforts et j'avais plus du tout envie de peindre. Donc il a fallu recommencer depuis le début. Quand on découvre une nouvelle passion, les débuts sont toujours incroyables, ne laissant voir que les côtés positifs. Mais à mesure que le temps passe, on commence à percevoir les choses avec plus de réalisme. Quand j'ai commencé à me lancer dans l'art, la peinture était un pur plaisir. Mais au fil des années, elle a pris une tournure plus sérieuse, virant de la passion à la carrière et transformant toutes les couleurs en nuances de noir et de blanc. Donc si je devais partager un conseil pour surmonter un blocage artistique, ce serait de ne jamais oublier de s'amuser tout en laissant de côté pression et attente. Tout au long de l'année, j'ai fait de mon mieux, essayé plein de choses, espérant qu'un jour je retrouve ce sentiment que j'avais lorsque je peignais autrefois. Pendant que j'étais occupée à explorer d'autres horizons artistiques, j'ai commencé à ressentir un manque, le manque de cet ami qu'est la peinture. Même si j'étais malade au moment où cette envie est revenue, je n'avais qu'une hâte, le retrouver. Et c'est ainsi que tous ces efforts de l'année ont abouti à cette nouvelle œuvre. Je ne suis pas sûre de pouvoir affirmer que je suis totalement sortie de mon blocage artistique et que dans le futur, je pourrai encore peindre comme avant, mais une lueur est revenue. Mais on devrait tous fêter nos efforts du jour, donc ne parlons ni d'hier, ni de demain, juste d'aujourd'hui.